Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Et appelez-moi tout à l'heure pour prendre un café. Non, j'ai pas envie de prendre un café avec vous. Si, vous nous connaissons la loi, vous allez prendre un café avec lui. Et sans lait, moi j'ai mis le lait. Ça excusez-moi, pas, monsieur, madame. Vous êtes au téléphone avec votre valise. Oui, non, c'est bon, monsieur, je l'ai posé par terre. Merci. Ah, bah, c'est un backup. Excusez-moi, monsieur le président, comment allez-vous? Ça va très très bien, très bonne journée. Nous sommes Sterling et Cooper et nous sommes avocats. Vous êtes plutôt Cooper, du coup. Voilà, donc je vous appelle suite évidemment à l'affaire que nous avons discuté hier soir. D'ailleurs, j'ai discuté avec votre nièce. Très bien, et qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit que j'avais donc enlevé sa prime. Bien sûr. D'accord, là où elle a réagi de manière où elle était déçue. Et elle a dit, à des otages, je cite, je souhaite me baigner dans le sang du président et de lui arracher la tête. Mais monsieur, on en a parlé hier et vous savez qu'elle n'est pas dans son état. Cooper, je vous ai... Hop, j'ai raccroché ma soupe. Président, bien joué, bien joué. Je le rappelle, je le rappelle. Oh, tu te lâches, tu te oui, lâches. Oui, allons. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de problème sur ça, c'est pas grave, je ne prends pas rigueur. D'accord, donc dites-moi tout. Vous m'avez dit qu'elle est dans ses vagues. Vous m'avez dit qu'elle a changé, qu'elle a des antécédents psychiatriques, et de toute façon, je ne les prends pas en rigueur, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que. Je pense que. De boire mon sang, de briser non, mes mais os. Je pense que, à l'écouter, vous avez bien compris qu'elle a des problèmes psychiatriques, n'est-ce pas? Oui, je lui ai proposé un échappatoire. Elle bien a sûr. Refusé. Quel était cet échappatoire, monsieur? Alors, elle me demandait un hélicoptère. Je lui ai dit que je lui fournirais un hélicoptère avec 150 000 $ pour qu'elle puisse partir. D'accord, oui. Elle a refusé. Mais peut-être que juste changer d'identité, ça l'arrangerait, monsieur. Comme oui, nous avions discuté et conduit hier. Très bien, vous savez quoi, je vais appeler et je vous tiens au courant, ok? Très bien, et ben rappelez-moi, j'attends votre appel, monsieur. Super, merci beaucoup, monsieur. À très vite. Oh là là, mais c'est j'ai quoi pas le temps de discuter, j'ai pas le temps de discuter. qui rigole? Là-bas, on les entend pas parce qu'ils rigolent. Eh ben dis donc. J'ai le sentiment que nous sommes dans une ville psychiatrique. C'est-à-dire, ce n'est pas un hôpital. Peut-être si psychédélique. Psychédétrique, je pense que rien ne va. Écoutez, faites-moi confiance, tout va bien se passer, mon petit Sterling. Oh, j'ai confiance. Il faut que j'essaye de rabibocher. Rabiboche. Non, le sergent. Oui, le sergent. Non, monsieur Sterling, vous ne ferez rien avec le sergent. Vous êtes beaucoup d'accord. Trop âgé. Non, mais pas par rapport à ça. Restez professionnel. Par rapport à l'affaire, je parle, enfin. Non, mais l'affaire, écoute, c'est. Écoute. Sterling, regarde-moi. Oui, je regarde. C'est un sergent de merde. D'accord, tu comprends pas. Oui, ça dit bien. Elle ne connaît pas la loi de toute évidence. D'ailleurs, le président, personne ne connaît la loi dans cette ville. Bonjour, messieurs. Bonne soirée. Vous êtes policier? À temps partiel, parfois. À temps partiel. Non, c'est pour ça. C'était, on voulait savoir si vous étiez policier ou des pêcheurs. J'ai fini mon service. Félicitations. Merci, monsieur. Qu'est-ce que vous faites dans la villa? Nous sommes Sterling et Cooper. Avocat au gros barreau, monsieur. Avocat au gros barreau, vous avez des gros barreaux, c'est vrai. Bon, allez, bonne soirée, les refs. Très bien. Voilà. Étrange policier. D'accord, peut-être. Donc là, on attend quoi, Cooper? Alors, le président appelle Effi pour essayer de négocier un changement d'identité. Donc là, on attend la fin de la conversation et le président devrait me rappeler. Il va nous rappeler, il va te dire Effi m'a eu au téléphone et m'a menacé de mort. Oui, il y a de grandes chances, Sterling. Il y a de grandes chances. Oui, allô? Effi, est-ce que le président t'a appelé? Non. Est-ce qu'un changement d'identité t'intéresserait? Merde. Attends, je te rappelle dans 2 minutes. Non, tout le monde me rappelle dans 2 minutes, mais personne me rappelle. Ça commence à me casser les couilles. Sterling. Oui, j'écoute. Ça commence à me casser les couilles. Oui, mais j'imagine. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous me voyez? Oui, on vous voit. Ah, désolé pour tout à l'heure. Vous avez des fesses bien doudues, tu vois. Oui, mais on touche pas les fesses des gens. On ne touche pas les fesses des inconnus, monsieur. Désolé, Nous connaissons la loi et ça, c'est pas bien. C'est vrai, je suis juste anglais et nous, on se tapote les fesses. Entendez-vous, monsieur? Oui. Les seules personnes que j'ai à fuir, c'est justement le gouvernement et la police. Donc si eux sont au courant de mon changement d'identité, ça m'intéresse pas du tout. Donc tu ne veux pas changer d'identité? Non, sachant que tous les gangs de la ville travaillent avec moi, donc. Donc tu ne sais pas ce que tu veux, alors? Bah, j'y ai réfléchi avec ce que tu m'as dit hier, mais avec de la distance, c'est pas si utile que ça, parce que bon... D'accord, donc tu me commences un petit peu à me casser les couilles, tu t'en rends compte ou pas? Non, je te fais des contacts. Oui, des contacts, mais on travaille beaucoup pour rien, là, en ce moment, dans cette ville, hein. Ah, mais après, hier, je t'ai pas demandé d'enlever ma prime, hein. Bon, écoute, je vais appeler le président, j'ai appelé ta sergent, vous avez tous des problèmes dans cette ville. La sergente, je vais sûrement l'attraper, là, normalement. Donc, je te donnerai la position en mode, tiens, ta sergente, tu veux m'organiser un rendez-vous, bah viens la chercher, tu vois. Ah, là, ça m'intéresse.
m'intéresse. Ça m'intéresse. Et donc, nous devons garder l'exclusivité. Précise-lui bien, quand tu auras fini tes histoires, qu'elle ne doit pas bouger parce qu'elle est ligotée, d'accord? Oui, je la ligoterai et je dirai « Ah bon, tu veux parler avec mon oncle, hein, tu veux un rendez-vous ?» Bah tu l'as eu ton rendez-vous, il va venir te voir. Et après, comme ça, tu diras « Oh mon Dieu, ma nièce est si horrible, ça me choque !» Oui, c'est très bien. Voilà. Ça, c'est un plan qui me plaît, ça. Allez, dépêche-toi, okay. fais ton travail ça. Bien, ouais, s'il te plaît. Ouais, vas-y, ça marche, à tout à l'heure. Bon, elle ne veut plus changer d'identité. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Oui, parce que ça étonne personne. Donc voilà ce qui va se faire. Elle va faire son truc, apparemment, elle sera à deux doigts de la choper, et on aura l'exclusivité du lieu, nous irons la voir, elle sera sûrement ligotée et nue. Sterling, tu garderas ton calme, n'est-ce pas? Oui, et nous aurons l'exclusivité, oui. Nous la négocions. Toute nue, je note, à poil, chatte. Sterling, voilà. Vous avez un comportement bizarre en ce moment. Oui, bah écoutez, qui n'en a pas un ici? Je rappelle le président qui s'est foutu de ma gueule. Président de merde, au passage. Dites donc, sur Twitter, c'est quand même agressif, hein. Oui, oui, je comprends. Ce réseau social m'étonnera toujours. Où est donc passée la bienveillance? Que tout le monde crie tant... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dites-moi un truc, mon cher Sterling. Je vous dis tout. Dites-moi tout. Alors, dites-moi. Oui, sur Twitter, là, quand on dit FC avant un mot, qu'est-ce que ça veut dire, mon cher Sterling? J'en ai aucune idée. Pour moi, FC, ce n'est pas un truc européen pour le football club. Oh, d'accord. Donc c'est quoi? C'est une secte? Ce sont des footballeurs, copain. D'accord. Donc c'est un club? C'est un club de football. D'accord, c'est un club de football. On va retenter de rappeler le président, il se fout de ma gueule. Il t'a raccroché au nez? Non, il m'a dit qu'il allait appeler les filles, mais il l'a pas fait. Bon, bah écoute, on va attendre dans le commissariat que tout se fasse. Oh, c'est un joueur de basketball. Bonjour, monsieur. Bonjour, bien vous sûr. Êtes joueur de basket? Bien évidemment, mais comment vous le savez? J'adore ce sport et j'ai reconnu à votre maillot incroyable. Vous êtes, vous êtes dans quel club, monsieur? Évidemment, monsieur, je joue au panique. J'ai joué. D'accord. Et vous vous appelez comment, monsieur? Ça m'appelle Sandro Jiménez, mais voilà, quoi. J'ai beaucoup aimé jouer au panique, sachez-le. Vraiment, c'est une grosse partie de ma vie. J'ai vraiment. D'accord, mais pourquoi il y a écrit Fila sur votre maillot, monsieur? Vous appelez pas Fila? Non. Bah, bien sûr que non. Bah, non, les gars, c'est le nom d'équipe. Après, ça, c'est notre équipe. Non, mais dans votre dos, il y a marqué Simons. Bah oui. Mais en fait, quand tu m'en comment t'as réussi à lire, dis donc, qu'il était devant toi? Je devine les choses. Mais les gars, c'est très logique parce qu'il y a écrit je suis numéro 25. Il y a qu'un joueur qui est numéro 25, c'est Simons. Donc exactement. Il le connaît. C'est un passionné de basket. Simon. D'accord. Un passionné de basket. Je vous donc vous êtes connu, monsieur. Moi, je ne suis pas. Non, Simons c'est connu. Bah oui, bien évidemment, Simons c'est connu. Mais moi, je ne suis pas. Ça aurait été mon rêve. D'accord. Et que vous est-il arrivé, monsieur, pour sortir d'un commissariat cette heure-ci? Non, je suis pas sorti du commissariat. Au contraire, j'étais venu pour poser 2-3 petites questions à un policier parce que je. Dites-nous, nous, on est avocat auxiliaire de justice. On est avocat. Ah, et les questions nous intéressent. Ah, ok, parfait. Souvent, les avocats, vous connaissez beaucoup de choses, mais... Oui, c'est vrai, vraiment, ouais. On est auxiliaire de justice, on connaît la loi, monsieur. Ah, je pense un minimum. En fait, au contraire, en fait, c'était mon rêve d'être policier, quoi. Enfin, mon premier rêve, c'était d'être joueur de basket professionnel. Vous ne le serez jamais, monsieur. Voilà, si je suis ici, c'est parce que je serai jamais... Vous ne le serez jamais non plus, monsieur. Ah, merci. Et mon deuxième... Est-ce que vous avez déjà commis un crime fédéral, monsieur? Ah non. Est-ce que vous avez déjà commis un crime national, monsieur? Jamais. Est-ce que vous avez déjà commis un crime quelconque, monsieur? Attends, je peux vous chuter là, monsieur, cramerasez un petit truc, juste un petit secret. Oui, bien sûr. Tout est confidentiel ici. En fait, quand j'étais jeune, après mon entraînement de basket, j'avais grave soif et grave faim et j'ai juste voulu un petit Kinder. Ok, vous serez jamais policier, monsieur. Non. Monsieur Sterling, qu'a-t-il dit? C'était mon deuxième rêve. Mais non, monsieur, c'est un secret. Nous avons une déontologie, monsieur, et ça ne sortira pas de moi. Monsieur Sterling, dites-moi silence. Un droit de silence. Il a volé un Kinder. Vous avez volé. Très bien. Alors ça, vous ne serez jamais policier, monsieur. Oh là, mais c'est très grave, monsieur. Mais pourquoi vous l'avez dit? Mais c'est très grave. C'est mon associé. Monsieur, qui vole un Kinder, vole un bœuf. Je vous jure, les gars. Mais c'était après l'entraînement, j'avais faim, les gars, ça justifie, non? Monsieur, rien ne justifie un vol et un crime. Un vol est un crime, monsieur, sachez-le. Je ne parle pas à un voleur, moi. Oui, nous sommes avocats, mais le jour où vous volerez à nouveau, vous nous appelez. Putain, je suis dans la merde. Vous inquiétez pas, monsieur. Bonne chance à vous pour la suite, mais vous serez jamais policier, monsieur. Oh là là. Mes condoléances. Non, mais des voleurs, t'entends ça, Sterling? Des voleurs de Kinder, on commence par un Kinder et on finit par... C'est pas possible, et on finit par un deux Kinder. Deux Kinder et un jouet. Bonsoir, messieurs. Nous sommes avocats au gros barreau. Très bien. Ah oui, je me souviens de vous, oui. Oh, dites-moi, voilà, vous êtes huissier. Exactement, oui. Vous avez un gilet pare-balles, monsieur. Vous êtes bien protégé. Oui, il vaut mieux, oui, ce soir. Vous êtes protégé par ces deux personnes, c'est ça? Non, messieurs, je vous présente monsieur le banquier, monsieur McCormick.
Oh, McCormack, et le frère de monsieur le banquier, comment McCormick, vous... du coup. McCormack aussi. Mais oui, voilà, c'est forcément. Hein, voilà. Ouais, oui, on fait le lien, on fait le oui, lien. Oui, nous connaissons la loi et nous savons un petit peu comment ça se passe. Très bien, et monsieur l'huissier, mais sans indiscrétion, nous connaissons la loi, nous sommes avocats au gros barreau. Pourquoi êtes-vous recherché, monsieur? Eh bien, écoutez, le gouvernement est actuellement en danger, donc comme je travaille pour le gouvernement, je suis également en danger. Pourquoi le gouvernement est en danger, monsieur? Mais oui, mais pourquoi? Mais quelle est cette histoire, monsieur? Dites-nous tout. Oh, une histoire avec un pays proche. C'est-à-dire? Non, expliquez-nous, messieurs. Il faut parler, là, monsieur. Nous connaissons la loi et là, il faut parler, monsieur. Attendez, je vais prendre des notes. Alors, Cayo Perico, qu'est-ce que c'est, donc? C'est une île mexicaine Elle est où, cette île, monsieur? Je ne sais pas exactement, j'y suis jamais allé. Mais qu'avez-vous fait, monsieur, pour être recherché par un pays? Nous sommes avocats, nous pouvons vous aider, monsieur. Nous connaissons la loi. Eh bien, écoutez, tout ce que j'ai fait, c'est travailler pour le gouvernement. Et donc, vous avez fait quoi? Vous avez fait tomber un gant, monsieur? Non, je n'ai absolument rien fait. Bonne soirée, messieurs. Très bien, bonne soirée. On se tient au courant, monsieur le banquier. Parfait. Écoutez, moi, personnellement, je n'ai rien fait. C'est le gouvernement plutôt qui a fait quelque chose. Alors pourquoi vous êtes recherché, monsieur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien parce que je travaille pour le gouvernement. Et donc vous avez un gilet pare-balles, monsieur? Exactement, oui. Mais nous sommes auxiliaires de justice et pourtant nous risquons rien, monsieur. Voyons. Mais vous ne travaillez pas pour le gouvernement. Avez-vous fait quelque chose pour le gouvernement? Bah, à part récolter les impôts, non. Ah, je comprends. Toi aussi. Je comprends pourquoi. Rebonjour, monsieur. Vous êtes banquier, monsieur, n'est-ce pas? Absolument. Vous faites des prêts, peut-être? Ça m'arrive. Vous travaillez à quel banque? De combien sont les taux, messieurs? Monsieur Leto? Les taux en rigueur. Ah, ça dépend de la situation. 100 000 dollars, monsieur. D'adapter. 100 000 dollars. Tout dépend. Ah, on a des taux qui ne sont pas forcément fixes. Ça, c'est problématique et vous pouvez être emmené en justice. Des taux sont fixes, oui. Monsieur. Vous n'avez pas le droit de faire en fonction de la tête du client. C'est la loi. C'est la loi, monsieur. Nous sommes avocats. Donc, quels sont vos taux? On s'intéressait un peu à cette histoire, d'ailleurs. Oui, note-le, Sterling. Parce que ça, c'est très inquiétant. Il existe quand même le cours du marché. Alors, non, monsieur. Le cours du marché. C'est pas en fonction de la tête du client, c'est en fonction des semaines. Voilà. Nous connaissons la loi. Les taux ne sont pas. Les taux se resserrent, monsieur. Écoutez-moi bien, messieurs. Les taux est lié à un article de loi et non pas au cours du marché. Donc, expliquez-nous comment les taux peuvent changer en fonction de la tête du client, monsieur. Est-ce que j'ai parlé que les taux varient en fonction de la tête du client? Vous avez dit ça dépend. Bonsoir, monsieur. Nous sommes avocats, nous sommes auxiliaires de justice. Je vais pas proposer le même taux d'intérêt à une personne qui rembourse au bout d'un an. C'est la loi. C'est la loi, monsieur. Absolument. On a volé un véhicule devant le poste de police. Je peux vous aider, monsieur? Il a interrompu la conversation. Parce que t'es pas en train de... Ah, ça c'est fâcheux. Oui, écoutez, ce banquier, je pense, fait de l'escroquerie. Hein. Oui, voilà. Je vous le dis. Il ne connaît pas la loi. Pourquoi? Je vous écoute. Venez, on va dehors. Venez, on va porter plainte. On va porter plainte dehors. Allez. Oui, allô, monsieur le président. Monsieur Cooper, j'ai beaucoup de problèmes dans cette ville. Il semble... Effectivement, nous en avons tous. Voilà, pourquoi tout le monde est... Est-ce qu'il existe des gens qui ne sont pas des criminels, monsieur? Monsieur Cooper... Non mais dites-moi s'il vous plaît, parce que là monsieur... je suis avocat mais je suis débordé. Oui mais vous parlez au président des stages depuis... Enfin au gouverneur de cette ville déjà depuis 7 ans et je vous assure que c'est le train de vie que je mène depuis 7 ans, monsieur Cooper. Oui, c'est très problématique, il va falloir régler ça très vite. Écoutez... malheureusement, quand on en élimine un, il y en a 10 qui repoussent, donc bon... Moi j'ai un petit problème avec votre sergente, monsieur. Sergente 20, Alvarez Gonzalez. Exactement. J'ai un petit problème, elle n'est pas du tout professionnelle. Elle a déchiré un papier officiel pour non assermenter une discussion qu'on a eue avec elle. Et elle se croit impuissante. Monsieur, est-ce que vous avez des relations avec celle-ci? Absolument pas. D'accord. Donc c'est pas normal, monsieur. Je pense qu'il va falloir la rétrograder. Il faudra voir avec monsieur le procureur, concernant les plaintes sur les agents. Ouais, oui, mais monsieur le procureur, il n'est pas bien. Il y a personne qui est bien. Donc, monsieur, je ne vous permets pas de rigoler. Je rigole pas en soi. Donc... S'il vous plaît, vous êtes le président et le gouverneur, il faut faire votre métier, monsieur. Si vous m'appelez, c'est que vraiment, je dois être vraiment le seul espoir. Là. C'est... Oui, vous êtes le seul espoir de cette ville, monsieur. J'aimerais bien que vous fassiez bien les choses. Ok, j'arrive au PDP. Très bien. Bon, Sterling. Oui. Hop, merci de m'avoir porté le porte-document. C'est bon, j'ai discuté avec le président, il arrive. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Et on va faire en sorte qu'elle soit rétrogradée, la sergente. C'est une bonne chose, parce que ça, on va porter plainte. Oui, ça, on va porter plainte. Il se passe quoi? Il se passe que dans cette ville, il n'y a rien qui va, monsieur. Le banquier. Oui, on va mettre les choses. Variable, nous en avons marre. Mais c'est normal que les taux variables, je l'expliquais à votre collègue. Non, monsieur, la loi, c'est pas ça. Mais écoutez, la loi, c'est que... La loi, c'est nous, monsieur. Donc là, il va falloir arrêter. Nous sommes assermentés, nous sommes auxiliaires de justice. Vous êtes, monsieur, policier. La loi, nous la connaissons. La loi, vous la faites respecter. Mais non, les taux ne changent pas, monsieur. Ils changent en fonction d'une bourse.
Mais pas en fonction de la tête du client, monsieur. C'est une discussion ou un monologue ici? C'est la loi. La loi est un monologue. La loi est un monologue et vous ne pouvez rien dire, monsieur. Vous ne pouvez pas discuter avec la loi. Monsieur, dès lors que l'article de loi impose un taux. Moi aussi, je fais un monologue. Il n'y a pas de soucis. Je ne vais pas vous laisser parler. Franchement, il n'y a pas de soucis si vous faire comme ça. Bon, dites-nous, faites vite, s'il vous plaît. On va voir le président. Appelez un taxi. Mais avant le président, si vous voulez, mais j'ai déjà fait des prêts à la banque. Non, mais il arrive. Vous êtes déjà fait arnaquer, monsieur. Mais oui, c'est ça le problème. C'est pas grave. Notre Sterling, il s'est fait arnaquer cet agent. Faudrait qu'il porte plainte d'ailleurs, parce que je pense qu'il peut récupérer de l'argent. Ok, bah écoutez, dans ce cas-là, si je peux récupérer de l'argent, je pense que ouais, vous avez raison, c'est effectivement la loi interdit les taux variables. Ah bah oui, monsieur, mais faut pas se laisser faire, mon ami, monsieur. Je constate que vous changez d'avis en fonction de vos propres intérêts, monsieur. Oui, mais non, c'est la loi et il applique la loi maintenant, donc ça m'intéresse. Vous m'avez convaincu, la loi, vous la connaissez mieux que moi, dans ce cas-là, moi je vous écoute. Non, écoutez, monsieur, de toute évidence, à la manière dont vous vous comportez, vous ne roulez pas spécialement sur l'or. Et je pense que vous vous êtes fait arnaquer, monsieur. Donc si vous respectez la loi, nous allons vous représenter. Et si vous faites respecter la loi, vous pourrez toucher beaucoup d'argent. Combien votre prêt a été fait, monsieur? Oh, mais ça monte à plusieurs années, c'est un mur. C'est des années trop, monsieur, c'est des années trop. En plus, j'ai fini de rembourser quoi? C'était le mois dernier, quoi. C'est intéressant parce que ça peut. Vous pouvez vous empocher $1 million, monsieur. Vous allez porter plainte. Vous-même, faut que vous portiez plainte. Ok, venez avec moi, je vous engage à laisser partir à porter plainte. Allez, c'est parti. Alors, attendez, non, on peut pas. Il y a le président qui arrive, monsieur. Il y a le président, bah on fera ça après. On s'occupe de vous après. Nous sommes la loi, nous connaissons la loi et les banquiers ne sont pas là pour votre plaisir, monsieur. Ça veut dire que si je portais plainte, monsieur, je peux récupérer de l'argent qu'on m'a escroqué il y a plusieurs années sur une autre banque. Bien sûr, bien sûr, étant donné, monsieur, que les banques sont privées et que si l'État décide de sanctionner une banque, la banque, peu importe quel pays, sera obligé de vous redmettre votre argent, monsieur. C'est la loi, monsieur. C'est la loi. Nous connaissons la loi. J'ai l'impression que dans cette ville, vous pensez tous connaître les lois. Mais j'ai l'impression que tout le monde s'égare ici. On a bien fait d'arriver. On a bien fait d'arriver. Loin de là, loin de là. Après, je connais une partie de la loi parce que je suis policier, je suis un serveur, donc c'est normal que je connais un minimum. Après, pour la banque, c'est juste mais nous, on a étudié là-dessus. Continuez de mettre des amendes pour des excès de vitesse, mais nous, on s'occupe du reste, monsieur. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire ce que ça veut dire, monsieur. Qu'est-ce que vous entendez? Attendez, ça veut dire qu'on est bon qu'à mettre des amendes pour excès de vitesse. Non, vous êtes aussi bon pour mettre des amendes si quelqu'un crache un chewing-gum par terre, monsieur. On connaît la loi. Alors, c'est quoi ce sous-entendu clairement? Il n'y a pas de sous-entendu. Il vous dit clairement que la connaissance. Attendez, monsieur. Écoutez-moi. Monsieur, il y a quelqu'un derrière vous, monsieur. Il y a quelqu'un derrière vous. Vous aimez monsieur le président? Il est chrétien. Oh, très bien. Oh, c'est monsieur le président, je vous ai pas connu de nuit, monsieur. Excusez-moi, je travaillais plus, donc je suis venu en express. Il y a pas de souci. Peut-on aller dans un endroit un petit peu isolé pour parler du cas du Serge? Oui. Allez. Merci monsieur de votre écoute. Merci monsieur l'agent de votre écoute, vous êtes là. Monsieur le président. Oui, dites-moi. Vous pouvez dire à ces deux monsieur que. Monsieur, faut partir, on vous parle pas. Monsieur, on fait notre travail. On connaît la loi. Deux petits monsieur que dire que la police ne sert à rien, c'est pas très bon. On n'a pas dit que ça servait à rien. On n'a pas. Non, monsieur, vous interprétez mal. Monsieur, je peux porter plein de. Ça s'appelle monsieur, une diffamation. Ça. Vous faites une diffamation devant le président, monsieur. Ça peut vous coûter votre placard. Arrêtez, calmez-vous. Diffamation, écoutez, diffamation, par contre, c'est juste ce que c'est. Vous n'en faites pas, il n'y a pas de soucis. 99, je m'occupe de ces messieurs. Merci. Allez, 99, monsieur, il faut partir. Il y a des amendes à mettre. Oui, mettez des amendes pour excès de vitesse, monsieur, s'il vous plaît. Laissez-nous faire notre travail. Monsieur, ne soyez pas respectueux. J'ai vu 2-3 chewing-gums par terre. Nous connaissons la loi, monsieur, donc. On ne remet pas en doute que vous ne connaissez pas la loi, monsieur. Vous êtes assermenté. Exactement. Nous sommes auxiliaires de justice. Monsieur, on sait ce qu'on fait. Absolument. Vous allez bien, monsieur? Vous avez envie d'éternuer, peut-être. C'est peut-être un rhume des foins, ça, je connais la loi. Oui, j'ai un sale rhume des foins, effectivement. Ah, vous connaissez la loi des maladies? Non, dans un bureau, le bureau capitaine. Mais oui, quand même, on est président. Enfin, vous êtes président. Oui, entre autres. Il connaît la loi. J'ai bien l'impression qu'ici c'est le bureau de tout le monde un peu. Pas que du capitaine. Hein. Allez-vous. Je me permets de mettre sur votre lampe. En tout cas, vous avez un sacré équilibre, monsieur Cooper, ça c'est noté. Ça. Alors là, c'est un genre de vin. Ok, d'accord, je vous écoute. Voilà, mais merci de nous avoir écoutés, monsieur, et puis on vous souhaite une bonne journée. Passez une bonne soirée, Bonne soirée, monsieur. Ah, t'as pas fini, Sterling? Non, j'ai pas fini. Bon, monsieur, l'heure est grave. Non, l'heure est très grave, du coup. Je pense que dans cette ville, et au sein même de sa représentation autoritaire, c'est-à-dire la police, il y a un gros souci des connaissances des articles de loi. Exactement. Lorsque nous proposons à un certain sergent... 20, monsieur. Sergent 20, de remplir un formulaire de comme quoi on a acté un pourparler et que cette personne déchire un formulaire officiel, c'est très grave, monsieur. Vous avez une copie de ce document? Par terre dans votre commissariat, sûrement dans un de vos aspirateurs. Voilà, monsieur. Second point, monsieur. On n'a pas d'imprimante, monsieur, sur nous, comme vous pouvez le voir. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un peu de sérieux. Nous parlons avec ce même sergent de faits graves, un sujet grave et un dossier très important au sein de cette ville, et on parle de terrorisme, monsieur, là, et que cet agent se permet de prendre des positions outrageantes face à deux auxiliaires de justice, je trouve ça grave, monsieur. Est-ce qu'on vous a manqué de respect, monsieur? Oh oui, monsieur. Oui, oui. Elle a écarté ses deux cuisses devant nous.
Voilà. Ce n'est pas une blague, monsieur, je vous permets pas une blague. Monsieur, non, vous êtes président, écoutez, nous demandons immédiatement qu'elle rende sa plaque et une suspension et un rétrogradage, monsieur. Parce que là, monsieur... Monsieur, nous sommes choqués déjà de cette ville. Déchirez, messieurs, je vais convoquer une réunion de l'état-major de toute urgence demain première heure. Voilà, non, maintenant. Non. Maintenant, il n'y a plus personne. Oui, mais demain, il n'y aura personne non plus, monsieur. Vous faites maintenant. On le veut maintenant, la réunion. Oui, on le veut maintenant. Oui, mais vous, oui, moi, je veux la lune, je l'ai pas pour autant. Mais oui, mais monsieur, moi, demain, je dors. Donc là, il va falloir faire aussi, les choses bien. Oui, mais c'est comme ça. Je peux pas. À première heure, on n'est pas là. Donc je note, je prends note, comme ça, au moins, même si vous n'êtes pas là, j'aurai les faits. Vous pouvez convoquer l'individu là maintenant. Elle n'est pas là actuellement. Comment ça, elle n'est pas là? Je l'ai convoquée, elle a pris une fin de service. Vous voyez le comportement. Mais non, mais c'est inadmissible de prendre une fin de service après écarter les cuisses. Non, mais ça. Après, chacun, c'est fantasme. Oui, mais monsieur, c'est un sergent. Il n'y a pas de fantasme, c'est la loi. C'est de la corruption. C'est de la corruption. De t'énerve pas, Sterling. Ne tire pas sur. Voilà. Oui, calmez-vous, monsieur Sterling. Je suis calme. Je vais vous proposer quelque chose de simple, concret et concis. Est-ce que dimanche, vous pouvez organiser une réunion devant tous les agents disponibles, dont la sergent, dont vous, d'accord, s'il vous plaît, monsieur le président, et nous allons devoir discuter. Nous demandons un juge. Dimanche, à partir de minuit, t'es disponible, Sterling? Oui, minuit, on sera là, minuit. On aura fini de remplir les dossiers, etc. Mais monsieur, nous avons beaucoup de travail. D'accord, mais pas de soucis, vous connaissez les lois. Nous connaissons la loi, monsieur. Vous avez fini d'écrire? Oui, j'ai fini d'écrire, donc vous m'avez dit, donc manque de respect, écartage de cuisses en direct. Oh oui. Tentative de corruption, j'ai entendu. Oui, l'écartage de cuisses, c'est une zone d'individu, monsieur. Et le plus grave là-dedans, c'est le destruction de biens appartenant à un auxiliaire de justice. Assermenté. Exactement. Devant complice, c'était devant notre agent. Elle a dit, vous pouvez appeler le président, il fera rien, j'en ai rien à foutre. De cette Est-ce que vous trouvez ça normal? Notez. Il a dit rien à foutre de cette salope. Pourquoi rigolez-vous? Rigolez pas, monsieur. Il faut pas rigoler, monsieur. Non, mais je ne rigole pas du tout. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Par contre, il y a un hamster quelque part, monsieur. Ouais, effectivement. Rien à foutre du président, il ne va rien faire. C'est cette salope. Voilà, notez ça. Cette salope. La salope, monsieur. Ah, oui. Parlez-vous, hein, c'est vous, là. Oui, j'entends. Selon elle, vous êtes une salope, monsieur le président. J'entends. N'en rajoute pas trop, Sterling. Je pense que c'est important que ce soit sur les propos. C'est important. Les propos de cette femme. N'en profitez pas. Non, personne ne profite ici. Nous connaissons la loi. Si la police commence à faire du travail de criminel. Il faut dératiser tout ça, monsieur. Voilà. Alors, sinon, donnez-nous le poste de commandant et nous, on va régler tout ça. Je vous le dis tout de suite. Oh, c'est compliqué à mettre en place. Croyez-nous qu'on connaît la loi, c'est pas compliqué. Vous connaissez les lois, monsieur. Vous connaissez les lois. Moi, je vais vous faire une police qui va tourner proprement. Ça, je vous garantis. Croyez-moi, Cooper a l'expérience nécessaire pour être un très bon commandant. Je n'en doute pas. Bah, très bien, j'ai tout noté. Dimanche, donc réunion minuit. Oui. Ça te va, Sterling, minuit? Minuit, c'est où? Minuit, ça fait quand même un peu tard, non? Écoutez, vous connaissez la loi. 23h, 23h. Allez, 23h, monsieur. Notez 23h. Au pire, 23h30. Mais 23h. Entre 23h et minuit. Non, 23h, notez 23h. 23h. C'est un 2 et un 3. Pas de retard. Très bien, messieurs. Un café, peut-être? Non, merci. Pardon? Je vous ai proposé un café. Ah, dimanche, je veux bien. Mais notez un petit café dimanche à 23h. Ok, un café. Monsieur Starry, t'as des demandes en particulier, du coup. Ah non, moi, avec un peu de lait dans le café et un sucre, s'il vous plaît. Un peu de lait. Tu prends plus des mulchettos, Sterling. Une touillette. Préparez une touillette, s'il vous plaît, monsieur. Une touillette. Avec votre nom écrit dessus? Non, monsieur, je ne suis pas de la jaquette. Il sait comment il s'appelle, voyons. Monsieur, s'il vous plaît, respectez mon acolyte Sterling. Je le respecte. En tout cas, je ne l'ai pas respecté, monsieur Cooper, par contre. Non, okay, vous avez quand même proposé mon nom sur une touillette. Hein, non, monsieur. Quand même, on en est où? Bientôt, on écrira des noms sur un des gobelets, monsieur. Oui, voilà. Ne t'emporte pas, ne t'emporte pas. Non, mais écoute, on est dans un commissariat ou on est à la fête foraine? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Sur les deux stylos plumes, il y a écrit le nom du capitaine et du commandant. Oui, mais écoutez. C'est des très beaux stylos plumes, mais c'est ça pas. Ça nous regarde pas. Ça nous regarde pas. On connaît la loi. Oui, je l'entends, ça, depuis tout à l'heure. Je l'entends. Oui, mais est-ce que vous l'entendez? Vous l'entendez, mais vous l'écoutez? Ah là, non, je vous assure que je l'ai compris, même. Vous l'avez vu, mais vous l'avez pas regardé, monsieur, je vous le dis. On va faire simple. C'est pas parce que vous dites la vérité que vous avez raison. C'est pas parce que j'ai raison que je dis la vérité. Exactement. C'est valable dans les deux sens, monsieur. Nous connaissons la loi. J'ai tout à fait compris, monsieur. Vous connaissez la loi. Ça, vous c'est notez vraiment... quoi, là, monsieur? Vous notez beaucoup de choses. Non, mais on vous le rappelle parce que j'ai l'impression que dans cette ville, vous connaissez pas beaucoup la loi, quand même. Permettez pas, quand même, de me critiquer ouvertement. Je ne vous critiquais pas. Je parle de cette ville. Vous sentez. Ah, malheureusement, cette ville, oui, effectivement. Si les gens connaissaient les lois comme vous, messieurs, je vous assure que le monde irait mieux. Croyez-moi qu'on va prendre les choses en main, monsieur. Oui. Je compte sur vous. D'ailleurs, s'il existe quelqu'un de gentil, on aimerait bien son numéro pour l'appeler et discuter un petit peu. Ça nous ferait du bien. Quelqu'un de paveux fou. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas. Est-ce qu'il existe quelqu'un qui n'a pas tué quelqu'un ici? Bah, vous êtes face à quelqu'un qui n'a tué personne. Qui est responsable de mort. Je pense que vous avez tué, monsieur. Vous avez des preuves. Je n'ai pas de preuves, mais votre regard en dit long, monsieur. Vous avez un regard de tueur, monsieur. On vous l'a déjà dit ou pas? Un regard de tueur. Peut-être avec les femmes, mais.
mais ça c'est notre histoire. Ah, cela ne nous regarde pas, mais tuer un homme ou une femme, c'est puni de la même... Voilà, nous connaissons la loi, monsieur, hein, c'est un crime. Hein. Du coup, vous allez mettre les menottes. Bah du coup, est-ce que vous avez tué une femme, monsieur? Monsieur, je vais vous demander de lever les mains. Sterling, tu peux descendre. Non, je ne peux pas. Descends de cette chaise, s'il te plaît, Sterling. Parce que je suis sur une chaise. Oui. D'accord, ok. Non, c'est rien, t'as pris un peu de hauteur, c'est pas grave. C'est les grands airs, on voit pas les... Bon, écoutez, monsieur, je vous dis à dimanche, et nous partons. À dimanche. Pardon. Partons, Sterling. Oui, je vous raccompagne, monsieur, peut-être. Oui, bien sûr. Oh, nécessairement. Vous prenez le porte-document, Sterling. Bien sûr. N'oubliez surtout pas le porte-document. Très important. Il y a nos lois dedans, nous les connaissons. Mais vous, vous ne les connaissez pas. Ah si, je connais les lois. Non, pas toutes les lois. Quelle est la loi sur les infractions pénales dans un, au sein même d'un pénitencier fédéral? Ah, je connais les lois. Très intéressant. Dites-nous. Je connais les lois. Donc, mais vous ne les connaissez pas, monsieur. Vous ne les connaissez pas. C'est évident. Si, je viens de vous le dire. Pourquoi nous sommes derrière un commissariat, monsieur? Parce que je vous redépose. Ah oui. C'est bizarre. Vous êtes face à un meurtrier, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Monsieur le président, est-ce que vous traînez souvent avec une casquette dehors comme si de rien n'était? Pantalon moulant, très moulant d'ailleurs, si je peux me permettre. Écoutez, c'est ce qui s'appelle faire profil bas, il faut savoir être très discret. Bon, vous savez qu'il y a un peu la moitié de la ville qui veut me tuer, donc bon. Et donc vous sortez, vous raccompagnez des gens avec une petite casquette dehors. Ah, vous êtes serein. Vous êtes quelqu'un de serein. Et le dimanche matin, je fais des golfs avec Tiger Woods. D'accord, mais dans cette ville, tout le monde est serein. Oui, parce qu'ils connaissent Tiger Woods, vous parlez de la personne qui a été faire des adultères plus d'une fois. Voilà, un criminel, on apporte le c'est un criminel, nous connaissons la loi et attention. Je n'en doute pas. Votre véhicule, il n'y a pas que les balles qui c'est le véhicule blanc, monsieur. Que pensez-vous des adultères, monsieur? Les adultères, c'est quelque chose de très mal, très mauvais. D'accord. Oui, oui. C'est punissable. Punissable en cas de mariage, oui. Non, même en cas de non-mariage. C'est punissable, monsieur, parce que c'est dans la loi, il est stipulé que tout humain a une dignité. Qui trompe sa femme est une salope. Oui. Est-ce que vous comprenez, monsieur? Peut-être que vous ne finirez pas en prison, mais votre cœur, lui, en sera meurtri et finira en cellule. Croyez-moi, la justice divine est bien plus pertinente que la justice humaine. Est-ce que vous connaissez les lois, mais est-ce que vous connaissez les lois du cœur, monsieur? Justement, on vous en parle. Nous connaissons toutes les lois, monsieur. Incroyable. Vous avez trompé qui? J'ai trompé personne, personnellement. Félicitations, monsieur. Vous êtes marié, monsieur? Non, je suis célibataire. J'ai un enfant à charge. Vous avez quel âge? J'ai 39 ans. Gouverneur à 39 ans et célibataire. On a à peu près le même âge, monsieur. Vous êtes jeune. Seul, vous avez le même âge. Donc, attendez, je note, ça c'est intéressant. Il est seul, je suis seul, il a à peu près mon âge, il est président. Vous gagnez combien par mois à peu près, monsieur? Je n'ai pas divulgué mon salaire. D'accord, mais voir Twitter, ça me paraît un peu agressif quand même, non? Oui, qu'est-ce que vous en pensez de les réseaux sociaux, vous faites mon avis dessus. Oui, s'il vous plaît, monsieur le président. Je pense que c'est le fléau de l'humanité. Pardon? Les réseaux sociaux sont le fléau de l'humanité. Oui, je pense que je vais répondre. Messieurs. Oui, monsieur, en tout cas, merci de nous avoir accompagnés et je vous dis à dimanche. À 23h. Et n'oubliez pas que je connais aussi les lois. Je n'en doute pas. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, soyez prudents, toutes mes responsabilités. Que Dieu vous guide. Bon, monsieur le président, connaissez-vous les voitures? Ces messieurs connaissent la loi, vous connaissez la loi, messieurs? Oui, vous connaissez la loi, mais connaissez-vous les voitures? Parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans la voiture. Ah, venez, je vais vous déposer. Non, mais non, on a besoin de voiture. Attendez, je connais la loi. Oh là, mais c'est bon, ça a marché, monsieur, merci. Merci beaucoup, monsieur le président. N'oubliez pas que je connais les lois. Ça marche à moitié, quoi. Oui, je vais dans le coffre. C'est bon, non, vas-y, roule. Sterling, tu peux sortir, viens derrière. Bon, mets-toi devant, finalement. Voilà. C'est bon, tu connais Sterling. Merci, allez. Monsieur le président. Merci, monsieur le président. Bonne soirée. Comment ça s'est passé avec Evelyn? J'ai oublié. Oui, appelle. Elle a fini son service, donc c'est que tout va bien. Oui, c'est vrai. Allez, direction le parking central, s'il te plaît. Oui, allô, tonton? Oui, alors? Impossible de la choper pour l'instant. Mais elle a fini son service. Ouais, je sais. Et tu l'as vue ou pas? Oui, on l'a vue. Nous allons faire en sorte qu'elle perde son boulot. Ah bon? Ah oui, crois-moi que ça va se passer. Crois-moi que dimanche à 23h, tout le commissariat a été convoqué et nous allons leur parler. On va faire un plaidoyer de... Parce que nous de connaissons la loi, FI, et eux ne connaissent pas la loi, de toute évidence. Oui, mais je voulais arracher ses dents, les ventes sur Twitter. Formulaire comme ça. Oui, mais tu peux pas aller partir. Elle avait besoin de dormir, je crois. Ok, mais elle est vraiment partie dormir ou... Ou elle a juste pris sa fin de... Je ne l'ai pas suivi, je ne la connais pas, les filles. Merde. Mais en tout cas, c'est plus... elle n'est pas là. Ah, putain. Et puis, dentaire. Bon, je vais essayer de me débrouiller. Hein. Mais non, tu vas juste te coucher, en fait. Donc je suis fatiguée, en plus. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. C'est normal, on est jeudi. Et donc? Et tous les jeudis, les gens sont fatigués de leur semaine et c'est... D'accord, calme. T'entends ça, Sterling? Non. Tous les jeudis, les gens sont en sommeil. Pourquoi ça s'ouvre pas, ce parking de... Allez. Tu as les universités qui organisent des soirées, tout. Tous les jeudis, il y a quoi? Les gens donc sortent, tous les jeudis, mais... les gens sont fatigués avec les soirées, il n'y a plus personne à ce temps-là. Voilà, c'est ça. En fait, le problème, c'est que si tu veux profiter de la vie active, il faudrait que tu viennes vers 21h30. Il faut qu'on vienne... Ça va, Sterling? Oui, tu t'allumes une clope?
Bien. Oui, oui, j'ai envie de fumer. Il faut qu'on vienne vers 21h30, donc je viens de me faire engueuler par Effie. Cette ville ne connaît pas la loi. Tu vas t'en sortir, t'inquiète. Cette ville ne connaît pas la loi. Écoute, Effie, tu quitteras cette ville, peu importe de la manière, nous la quitterons avec toi. Parce qu'on connaît la loi, mais ça rapporte pas d'argent apparemment ici. J'ai tonton. Allez, à très vite. Passe une bonne soirée, dors bien et prends ton traitement. Hein. Oui, t'inquiète pas, tonton, je t'aime fort. Bisous. Mouah. À plus tard. Mouah. On m'a pas fait de bisous, je suis un peu vexé. Allez, on se casse. Mais qu'est-ce que tu fais, Sterling ? J'entends des choses. Mais oui, mais tout va bien, on est avocat, on connaît la loi. Oui, c'est vrai, on connaît la loi. Bah oui, donc on risque rien. Bon, écoute, je vais dormir dans la pénombre tout au fond du Moi, je vais dormir non loin de ton corps. Tiens, je vais dormir ici.